الله 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 وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Sekmilan insyaAllah lebih dua nusuf min Syaban, lebih demi Syaban, lebih mubarakat, lebih talakal la rahmat wa rabbul alamin desa avec les farishtas de la miséricorde, que eux, lorsque nous on va faire du'a, ils vont être nombreux à dire Amin. Parce qu'un mu'min fait un du'a à n'importe quelle occasion, s'il est sincère, Rabbul Alamin accepte le du'a. Mais il y a des occasions particulières où il y a la rahma et l'acceptation de Rabbul Alamin qui est beaucoup plus bloc, beaucoup plus proche des mu'minines. Parce qu'il est dit que Rabbul Alamin accepte, Rabbul Alamin envoie sa rahma, c'est ça même la signification de Rabbul Alamin lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que Rabbul Alamin yanzil. Yanzil, un verbe arabe qui pourrait signifier pour un bachar descendre, mais pour Rabbul Alamin, on n'a pas le droit de dire yanzil au sens de descendre. Celui qui descend, c'est un ange, par ordre de Rabbul Alamin. Ce qui descend, c'est la multiplication des rahmat, des miséricordes de Rabbul Alamin. Pas qu'un droit de dire, Rabbul Alamin descend, monté, fini, parti. Rabbul Alamin, pas une forme, pas un bachar, et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà une nuit au cours de laquelle le du'a est particulièrement accepté. Le du'a, lorsqu'il est accepté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbul Alamin nous donne une chance de changer notre situation. Changer notre situation, quelqu'un qui était malade, il guérira inch'Allah. Quelqu'un qui était dans la difficulté de la vie, il retrouvera inch'Allah l'aisance et la satisfaction. Mais attention, lorsque l'insan change de situation, grâce au du'a, qu'est-ce qui aura changé la situation? L'insan, pas le taqdir de Rabbul Alamin. Le taqdir de Rabbul Alamin, ça c'est de toute éternité inchangeable, inchangé, invariable. Rabbul Alamin, lui, il ne change pas. Ses attributs ne changent pas. Par son tardir, Rabbul Izzah, il nous change. Par son tardir, Rabbul Alamin change notre situation. C'est par son tardir que l'insan est pauvre, puis après, il retrouve une bonne situation. Par son tardir, l'insan il est malade, puis après, il fait du'a. Et tout ça, par le tardir, il retrouve la guérison, Inch'Allah. Par le tardir et le changement du insan, c'est pas Rabbul Alamin et son tardir qui change, parce que nous l'avons influencé par notre part. Rabbul Azza, pas un bachar. Un bachar, il prend une décision. On vient le voir, on essaye de lui faire changer ta vie, lui faire changer de décision. Il accepte ou il n'accepte pas. Rabbul Alamin, son taqdir, ça c'est de toute éternité. C'est pas ça qui change. C'est par le taqdir que la situation des bandas change. Lorsque je fais du'a, Allah Ta'ala, il sait avant la création du ciel et de la terre, Allah un jour fait un du'a. Et si ce du'a correspond à ce qu'Allah Ta'ala il le sait, et si Allah Ta'ala sait
que telle affaire va être Disney, eh bien c'est ça même le taqdir, ça va arriver. C'est pas Rabbul Izzat qui va changer, c'est pas son ilm, son savoir qui change. Ce qu'il sait, c'est ça qui va arriver. Et ce qu'il sait, c'est ça même le taqdir. Le taqdir donc, un attribut de Rabbul Alamin qui ne change pas. Quelqu'un qui dit le taqdir de Rabbul Izzat change, c'est comme s'il dit Allah Ta'ala, il ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire Rabbul Alamin ne sait pas? Est-ce qu'il y a quelque chose où Rabbul Alamin ne sait pas? Rabbul Alamin, il sait tout. Rabbul Alamin, il connaît tous les détails. Et alors, ce qu'Allah Ta'ala sait que ça va arriver, c'est ça même son taqdir. Il a fait le taqdir conformément à ce qu'il sait. Son taqdir conformément à ce qu'il sait. Et alors, Rabbul Alamin, par son taqdir, il nous change. Et c'est pas lui qui change. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمين، الكريمينال، ici criminel, c'est les mécréants, les mouchriquins. في ضلال، ils sont dans l'égarement, dans le kufr, égarement. وسعر، سعر، et la mufassirine qui dit سعر, ça veut dire la frustration folle. Tellement frustré, tellement habité par l'orgueil. Ils sont frustrés jusqu'à la folie. Et là, qui dit sourd, c'est le riel de Sa'ir, à Sa'ir, les flammes du feu de Jahannam. Quoi qu'il en soit, les deux, c'est haq. Inna al-mujrimina fi dhalalin wa sourd. Les criminels, les mécréants sont dans l'égarement. Et ils seront dans les flammes du feu de l'enfer, à Sa'ir. Et ils sont aussi dans la frustration de l'orgueil. L'aveuglement jusqu'à la folie. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Le jour où ils seront traînés فِي النَّارِ, dans le feu de Jahannam, عَلَى وُجُوهِهِمْ, sur leur visage. Traînés dans le feu de Jahannam, sur leur visage. Ça c'est le châtiment des mouchriquins, des kafirs. Allah Ta'ala il a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Parole de Rabbul Alamin. Inna al-mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Les mécréants, ils sont dans l'égarement et ils seront dans le châtiment. Flamme de l'enfer. Yawma yusḥabūna fi an-nār 'alā wujūhihim. Dhūqū massa saqar. Le jour où ils seront traînés sur leur visage dans le feu de Jahannam, et on leur dira Zoukou, goûtez Massa Saqar, au châtiment de Saqar. Saqar, c'est l'enfer. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé tout ce qui existe selon Qadar. Tout est par Qadar, tout est par le taqdir du Rabbul Alamin. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tout ce qui existe, nous l'avons créé biqadar, selon le taqdir. Parole de Rabbul Azza. Paix d'un créateur autre que Rabbul Alamin. La ilaha illallah. La khaliqa illallah. Paix d'un khaliq autre que Allah. La khaliqa illallah. N'importe quelle affaire qui existe, n'importe quelle situation qui existe, tout ça créé par un seul créateur, Rabbul Azza, Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'insan et il a créé son amal. Allah, il a créé le amal de l'insan, que l'insan fait avec les bras, les mains, les pieds, et ce qu'il fait par le cœur, même l'intention de l'insan. Créé par Rabbul Azza, seul créateur, pas l'insan, Allah Azza wa Jal, l'unique créateur. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Tout ce qui existe, nous l'avons créé à partir de Qadar, à
partir du taqdir. C'est ça même. Taqdir, comme Allah sait, c'est ça le taqdir de Rabbul Alameen. Si quelqu'un pense que le taqdir de Rabbul Alameen, la nuit de 15 Sha'ban, va changer, là il y a erreur. Là il y a mauvaise conception. Ce qui change, c'est la situation du insan, lui. La situation du insan change, ça s'appelle qadar. Mais le taqdir, c'est par le taqdir que le qadar du insan change. Le qadar du insan, c'est sa destinée d'aujourd'hui, sa destinée de demain n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Celle de surlendemain, c'est pas celle d'aujourd'hui ou d'hier. La destinée d'aujourd'hui change, mais par un taqdir, elle change. Le taqdir qui est de toute éternité, qui est sifat attribut de Rabbul Alameen. Le taqdir, ça, ce qui est conforme à ce que Allah Ta'ala, il le sait. Rabbul Alameen, il sait qu'il va tomber malade et qu'il va guérir. Et son taqdir, c'est ça même conforme à ce qu'il sait, Rabbul Azza. Inna la shay'in khalaqnahu bi qadar, ça a un sens. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans le Coran al-Karim: Tabarak alladhi nazzal al-furqan ala abdihi liyakun lil'alamin nadhira. Tabarak alladhi nazzal al-furqan ala abdihi. Ça veut dire il est vénéré, il est parfait. Celui-là qui a fait descendre Al-Kitab, Al-Qur'an, Al-Furqan, c'est Al-Qur'an Al-Karim. Parce que par Al-Qur'an, on fait la différence entre le bien et le mal. Furqan, parce que c'est le discernement. Discernement, ce qui va nous donner la clarté pour voir la différence entre le vrai et la fausseté. Ala abdi, à son banda, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liyakuna lil'alamina nadhira. Afin que le Nabi alayhi salatu wassalam soit avertisseur pour Al-Alamin. Al-Alamin, ça veut dire les humains tous, les djinns tous. Liyakuna lil'alamina nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Lui qui a la royauté sur les cieux et sur la terre. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard. Wa lam yattakhidh walada. Et il n'a pas pris un enfant, il n'a pas d'enfant pour l'alamin. Wa lam yakun lahu shariqun fil mulk. Il n'a pas de partenaire dans son pouvoir, dans son autorité, dans sa royauté. Wa lam yakun lahu shariqun fil mulk. Wa khalaqa kull shay'in. Et il créa tout ce qui existe. Wa khalaqa kull shay'in. Et il créa tout ce qui existe. Faqaddarahu taqdira. Faqaddarahu, il l'a déterminé par son taqdir. Il l'a déterminé comment il va bouger, comment il va vivre, comment il va évoluer, comment il va devenir. Tout instant par le taqdir de Rabbul Alameen. Wa khalaqa kull shay'in. Allah Ta'ala dit: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Mais les mouchriquins, ils ont pris, au lieu d'adorer Allah, ils ont pris des soi-disant divinités autres qu'Allah Azza wa Jal. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Eux-mêmes ne créent rien, aucune chose, pas capable de créer quoi que ce soit. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Alors que même ils sont créés par Allah Azza wa Jal. Pas capable envers eux-mêmes ni utilité ni nuisance. وَلَا يَبْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Et ils n'ont pas de pouvoir pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de pouvoir ni مَوْتًا ni al-mawt. C'est pas eux qui déterminent quand ils vont mourir eux-mêmes. وَلَا حَيَاتًا. Ni quand ils vont vivre et comment ils vont vivre. وَلَا نُشُورًا. Ni la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc dans le Coran al-Karim, qui est le créateur.
autre que lui, mais la créature. Et Allah Ta'ala qui a créé, faqaddar, et il a déterminé ça par un taqdir. Tout est par taqdir, Rabbul Alamin. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a interrogé sur l'Iman, il a dit à l'Iman, أن تؤمن بالله وارض الله وملائكته سفرشة وكتبه سبيل ورسله سأنبياء كرام عليهم السلام واليوم الآخر وارض يوم القيامة وتؤمن بالقدر خيره وشره et que tu crois au taqdir du bien et du mal. Lorsque ça t'arrive, et alhamdulillah, c'est une facilité. Et alhamdulillah, c'est une joie, tu vas dire, par le taqdir d'Allah. Lorsque ça t'arrive, une situation pénible, difficile, tu dis, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Rabbul Alamin m'a envoyé un test. Tout est par le taqdir de Rabbul Alamin. Lorsque il est question du kufur et l'iman, tout est par le taqdir de Rabbul Alamin. Lorsque il est question de kufur et de iman, halal ou haram, tout est créé par Allah et tout est par le taqdir de Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous impose comme aqida croire en lui comme créateur et croire qu'il est l'unique créateur et croire que Rabbul Alamin c'est lui qui a fait le taqdir de tout ce qui existe, car le taqdir veut dire la réalisation des choses comme Allah Ta'ala il le sait de toute éternité. On me dit, mais alors ça sert à quoi un dua? Ça sert à beaucoup de choses un dua. Un dua c'est ibad. Un dua, parce que c'est une ibad, c'est un thawab inshaAllah Ta'ala. Un dua, ça signifie qu'on est en train de faire le symbole de la servitude, le symbole de celui qui est dans le besoin de son Rabb. Celui-là qui ne fait pas dua, c'est comme s'il se sent satisfait. Pas bizarre. Nous avons tous besoin, et besoin de nous montrer dans le besoin. Bizarre, montrer que nous sommes dans le besoin. Ça, c'est ribada aussi. Le fait que l'insan se mette dans la situation de soumission et il montre que lui, il a besoin de son Rabb. À n'importe quel instant, besoin de son Rabb. Ça, c'est le dua. Et le dua, mukhul ibada, ça veut dire la moelle de la ibada. Comme si on dit le ruh de la ibada, l'esprit de la ibada. Le dua, c'est dawa. Le dua, c'est ibada. Le dua, c'est symbole de soumission et d'obéissance à Rabbul Alamin. Et le dua, il change notre situation. Lorsque un insan se lève le matin et il va travailler et il gagne sa vie à la fin de la journée, c'est grâce à son amal qu'il a gagné. Lorsque quelqu'un, il lève les mains, il fait dua, et Rabbul Alamin lui donne shifa après la maladie, c'est grâce au dua qu'Allah Ta'ala lui a donné shifa. Lorsque quelqu'un prend un médicament, il a changé sa situation grâce au médicament, grâce à Allah. Et lorsque il est malade et il fait dua et Allah Ta'ala lui donne guérison, c'est grâce au dua. Médicament, ça charge par le taqdir d'Allah. Et le dua nous charge par le taqdir d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pourquoi Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit que l'insan, lorsqu'il est encore dans le ventre de sa maman, il reste noutfa, semence, 40 jours. Et ensuite il devient alaqa, caillou adhérent, 40 jours. Et ensuite moudra, ça veut dire bout de chair, encore 40 jours. Et ensuite Allah Ta'ala lui envoie le farishta, il insuffle en lui un cours. Et puis après le farishta, il est ordonné d'écrire 4 choses. Il doit écrire son rizq. Jusqu'à quand son rizq? C'est comment son rizq? Pauvre, riche ou autre. Il doit écrire comment c'est son amal. Bon amal ou mauvais amal. Il va écrire son ajal. Quand est-ce qu'il va quitter ce monde? Et il va écrire shaqiyun am sa'id.
Est-ce qu'il va aller malheureux dans Jahannam ou il va être heureux et il va dans Al-Jannah? Il dit alayhi salatu wassalam, l'insan, il vit et il a fait le amal comme s'il allait dans Al-Jannah. Bonne action, bonne action, bonne action. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et Al-Jannah qu'une coudée. Fayas de bo alayhi vital. Ce qui est déjà inscrit sur lui dans Allahu al-Mahfouz prédétermine. Et alors, il va lui-même changer. Il va commencer à faire le amal des gens de Jahannam. Il va mourir ainsi et il ira dans Jahannam. Et à l'inverse, celui qui, tout le long d'une vie, il a fait les actions de ceux de Jahannam, jusqu'à ce qu'il ne lui en reste qu'une coudée. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Ce qui est déjà écrit va se réaliser. Et il va lui-même changer. Il va choisir de faire le amal des gens de Jahannam. Il meurt ainsi et il ira dans Jahannam. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله